Dès la création de Zindoc, avec mon associé Mathieu, on a toujours voulu avoir un esprit écologique, je dirais. Et on a toujours cherché à savoir comment on pourrait faire pour justement compenser toutes ces impressions qui étaient faites dans le monde avec nécessairement planter un arbre. Dans le cadre de ce partenariat, Zindoc a pour ambition de déployer une politique environnementale simple, globale et tangible. Eh bien, depuis 20 ans, Sagesse Informatique accompagne les TPE et les petites PME dans tout ce qui est processus de dématérialisation, c'est-à-dire de la numérisation à l'archivage de données. Aujourd'hui, on doit stocker à peu près 170 millions de pages sur nos data centers. Donc c'est autant de pages qui n'ont pas été imprimées. C'est ça un peu notre fierté. Et en plus, nous plantons depuis 2020 un arbre par jour. Petite anecdote, c'est qu'à travers ce partenariat, c'est aussi la rencontre entre deux cultures régionales fortes. D'une part, la Bretagne avec Ecotri et d'autre part, la Corse avec Zindoc. Chez Ecotri, notre futur, c'est de pouvoir gérer durablement ces arbres pour nos partenaires sur tout leur cycle de vie. C'est aussi de pouvoir sensibiliser le grand public, finalement le corps social, aux grands enjeux de la forêt française et à la complexité de ces écosystèmes que sont les forêts. C'est à travers un itinéraire sylvicole pouvoir s'assurer que la forêt puisse remplir son office écologique de puits de carbone, d'écrins de biodiversité. Tous ces paramètres sont essentiels et très importants chez Ecotri. Alors le futur, eh bien, on veut continuer et multiplier nos actions en matière d'empreinte carbone. Là, on s'est fait auditer par un cabinet spécialisé. Aujourd'hui, on est neutre en carbone. Voilà. Avec toutes les actions qu'on a entreprises, on est neutre en carbone. On veut aller plus loin, planter encore plus d'arbres et surtout faire bénéficier nos clients de notre action, pour qu'ils puissent eux aussi réduire leur empreinte carbone.